des États-Unis, un seigneur qui s'appelait John Henry. La puissance de ses marteaux, son énergie à l'ouvrage, a fait de lui un vrai modèle de courage. L'homme a défié aux forces de l'esclavage. John Henry, enfant glorieux d'Alabama, ce géant aussi fort qu'un boa, loyal et fier comme un lion, le plus brave des compagnons, c'était le plus rapide poseur de rail, le plus rapide poseur de rail. Quand John Henry n'était qu'un tout petit enfant, qui devait avoir à peine 6 ans, trouvant un petit marteau, il commença aussitôt à marteler un bout de métal en disant l'or, l'or, Dieu, ce marteau nous sera fatal. Chantier, la voix John Henry, fausse par mon bras, mon pauvre ami. Je vais devoir te congédier. On vient de se rendre acquéreur d'une machine d'enfer, un marteau à vapeur. L'homme, l'homme, une machine, un marteau à vapeur. On décida alors d'organiser une course. Au canyon, on mettra une bourse. John Henry a pris la tête, mais le robot l'a dépassé. Quand soudain la machine d'en fait tombe en panne, c'est John Henry qui a gagné. L'histoire est très belle, mais sa fin tragique. De bouteille à champion olympique, beau comme une statue antique, tout en bénissant le ciel. John Henry s'est fait frapper la balle d'appel, l'or, l'or. Ils se font frapper la balle d'appel. Thank you.